Donc je suis Sista Jahan. Ma carrière artistique a débuté tout d'abord par la danse. Voilà, où j'ai fait partie de plusieurs groupes comme Black Evolution, la compagnie Lévi, les Colombes du Saint-Esprit, mais bon, c'est une petite parenthèse. Et puis où effectivement la compagnie Lévi, j'ai pu toucher plusieurs schémas artistiques comme la musique effectivement, le théâtre, tout ça, la danse. Donc d'où ça m'a donné envie d'accroître la, comment dire, j'ai eu envie de continuer la musique quoi, puisque la danse ne faisant plus partie de ma vie actuellement. Donc ça a débouché sur la musique. Voilà, je suis Sista Jahan. Alors mes influences, tout d'abord, ça a été plutôt afro-US quoi. Enfin, tout ce qui est Whitney Houston, Mariah Carey, comment ça s'appelle encore l'autre, Toni Braxton et tout ça. Et puis après, c'était reggae music, tout ce qui est Bob Marley, Tosh, Dennis Brown, Hugo Isaac. Dans un secteur plus local, c'est tout ce qui est Kassab, toute machine, enfin les trucs à l'ancienne quoi, les trucs qu'on fait bouger nos parents. Parce qu'à la base, c'est ça, c'est ma mère qui m'a aussi transmis ce petit don-là, la musique. Parce que tous les matins, elle était sur son compas. Donc voilà, donc tout ça, ça a enrichi cette envie de travailler ma musique et puis de m'exprimer tout simplement. Dire ce que je pense, ce que j'ai sur le cœur, ce que je vois autour de moi. Quand même, hein, parce que donc je fais partie d'un collectif Sound System qui s'appelle Son of Guama, que j'ai intégré en 2004 en fait. Et donc c'est des frères avec qui j'ai bossé, où j'allais en répétition tous les dimanches. Là j'y vais plus trop parce que ma vie professionnelle me permet pas d'y aller tout le temps. Mais les frères ont toujours été là pour moi jusqu'à présent, ils me donnent bien la force. Et puis bon, bah, j'ai pu, ils m'ont donné des conseils, d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées dans le milieu, quoi, DJ Dan, Flighty. D'autres frères encore comme Straika ou Gyal, Janik, enfin bon, le milieu underground quoi, les frères locaux, enfin sinon, de toute façon je suis assez ouverte aux conseils qu'on me donne, aux critiques qu'on me donne, parce que pour moi c'est constructif dans la musique. Donc je travaille every time, c'est jamais acquis, c'est tout le temps que je travaille. Almighty, il t'accorde un sursis, le temps ne t'attend pas, il défile, donne un sens à ta vie. C'est doué doux vent pour aïe nous qu'a vindi ouli, pas là pour faire des tailles, trop trip qu'a fait Jody. Qu'on en vaillant Jedi, fait face à la vie. En son pour mettre tout le monde aïe, méditer pour agir. En l'air avec moi, conséquence qu'est-ce si demain. Allons tout moins. Almighty, il t'accorde un sursis, le temps ne t'attend pas, il défile, donne un sens à ta vie.
projet, certes, oui, comme tout le monde, je pense. Hein, pour l'instant, question d'album, je n'ai pas encore trouvé, je pense, les bonnes personnes pour vraiment m'orienter sur mon projet d'album, concept et tout. Ceci dit, il y a différentes compilations sur lesquelles je vais apparaître aussi. Voilà, où des fois ben, je prête ma voix pour les chœurs, on me demande. Quoi d'autre? Ben, l'album, on verra. Je ne sais pas encore quand, je ne peux pas dire quand, parce que je ne connais pas l'avenir. Quand je me sentirai prête, en tout cas. J'aimerais tellement voir ce monde-là changer, quoi, parce que je pense que c'est possible de rattraper ce qu'on est en train de perdre, en fait. Et donc ce serait plus de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la sincérité surtout, déjà avec soi-même, et puis ça viendra avec le reste. Beaucoup de respect, c'est les mots d'ordre, quoi, c'est one love, unity, justice, respect, quoi, c'est avec ça que je marche, c'est tout le temps ma devise, quoi. Donc je dis pas que je suis la plus parfaite ou quoi que ce soit, je suis pas du tout dans ces démarches-là, parce que moi-même j'apprends de la vie, quoi. Mais je travaille sur mon âme pour que j'aille dans ce sens, en tout cas. Voilà. En tout cas, être tout le temps vrai avec les gens, leur dire ce que je pense sur le moment, même si ça ne plaît pas forcément, mais savoir comment on le dit aussi. Et puis, voilà, donc c'est more love. Ben, il y a ça, hein, un spécial big up à la famille, tout d'abord. Hein, c'est eux qui l'avaient moi. DDR Records, tu sais déjà, Dan, pas dig. Full 100 Sound, Sensitive, I Love Some Sister. Parce qu'il y a des sisters, il y a un selecta, une selecta qui est sister, quoi. Ça rigole pas. Cathy, tu sais déjà. Toutes mes sisters aussi, avec qui j'ai bossé, avec qui c'est un plaisir de travailler, qui ont du talent, du potentiel et qui ont des messages à faire passer. Un gros big up pour vous. Il y en a tellement, je peux pas toutes les citer. Le Skate Squad, yes, original hip hop créole. EDS vous a connaître. Son of Guama, ben voilà, la familia, hein, la famille musicale aussi qui est là. Hein. Ideal Son, voilà, Ideal Son, maison d'édition, Ideal. Il dit ça, mais si on chaîne ma photo comme un moyen. Grooving, le Grooving Sound aussi que je big up pour le travail qu'ils font. Et puis voilà. Il y a Don Dada, de Jaspora Sound aussi, parce que c'est un real DJ, enfin un frère qui fait un bon travail aussi, donc je tiens le big up. Le Air 32 Record. Yes, ça les frères, ben, c'est un plaisir de vous connaître. Et le RP Connection aussi. Les frères de Rivière Pilote, Massif, Koulali, voilà, tous les frères. Ils sont reconnaîtront. Selecta Nata, que je tiens à big up aussi. Godin aux Aponettes. Et puis, ben, désolé pour ceux que j'oublie, mais c'est pas exprès. C'est qu'il y a tellement de personnes que j'aurais aimé big up. Mais bon, là, ça vient pas tout de suite. Donc, en tout cas, merci encore pour la force que tout ce massif-là me donne pour mon travail. Et puis, ben, j'espère ne pas vous décevoir. Continuer ma mission tranquillement.